Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on part enfin pour la première fois au Japon, je suis avec Myriam. Konnichiwa. Aujourd'hui on va manger 100% japonais et j'espère qu'on va manger des bons trucs quand même. J'espère que ma carte bleue va pas trop chauffer aussi Myriam. Ah moi j'espère qu'elle va casser hein. On a les casines aussi, faut pas l'oublier. Salut à toute la famille, j'espère aussi que vous allez bien. Eh, hey, laissez-moi m'occuper du petit déjeuner s'il vous plaît. Attends Myriam, parce que lui il est sûr de toi. Je connais, je regarde One Piece, je regarde Demon Slayer, les mangas, je connais. Vas-y, prépare-nous un petit déjeuner, en vrai on a rien à faire, c'est stylé. Les japonais, qu'est-ce qu'ils mangent le matin? On va regarder sur l'ordinateur. Les japonais mangent souvent du riz blanc, de la soupe miso et du poisson grillé. Ah, bizarre. C'est quoi ça? C'est pas des céréales, c'est pas des Kellogg's. Oh là là. Oh, c'est sûr, les japonais prennent des croissants au peanut butter. Des Kellogg's au mochi, les japonais, c'est trop des fous. Parce que, oh, on va manger du choc. T'as pas de tartiner. Pas de tartiner japonaise. Poisson japonais, le petit déjeuner, c'est incroyable. Et tout préparé. Peut-être qu'ils vont aimer, hein. C'est la première fois que je prépare un petit déjeuner comme ça. Quoi ça? Non. Mais c'est le petit déjeuner. Attends, mais Yacine, qu'est-ce que t'as fait là? C'est ça leur petit déjeuner, Younes, hein. J'ai fait mais mes recherches. Mais n'importe quoi, t'as vu ça ou que c'était leur petit déjeuner? Sur internet. Des avocats! Goûtez au moins, le te parler, se trouve, c'est grave bon. Mais c'est le matin, on vient de se réveiller. Le matin, il faut du sucré pour avoir la pêche. Vas-y, on va quand même goûter, c'est le jeu, on va au Japon pendant 24 heures. Je vais commencer par mettre la sauce. Il est pas 8 heures par contre, commence, arrête d'abuser. À 8 heures du matin, les Japonais s'envoient, c'est normal. C'est des malades. Tu vas me dire, ils prennent des nouilles, puis quand t'as 8 heures du matin pour que ça les réveille. Alors, prends les doigts comme ça. Décale, j'ai trouvé la technique. Bah attends, toi tu sais pas faire, laisse-moi faire. T'as une meilleure technique que ça, Yacine, c'est validé. Mais là tu fais n'importe quoi avec tes doigts. Voilà, t'enroules. Et là? Elle en a plus que toi. Mais c'est pas parce qu'on est au Japon qu'il faut pas dire bismillah. Bismillah. Oublie pas, on est musulmans avant tout. J'avais oublié. Attends, c'est bizarre, pourquoi ça pique, Yacine? Qu'est-ce que t'as fait? Et comme ça au moins elle est réveillée. Quoi ça, Yacine? J'ai n'importe quoi, les Japonais ils mangent pas ça le matin. Eh, dites-le dans les commentaires que les Japonais ils mangent ça le matin. Moi je vais pas au Japon. Et encore, vous avez de la chance que j'ai pas mis la brochette d'insectes. Attends, je vais me lancer au moins pour Attends, c'est moi qui m'occupe du matin. Comment ça, c'est toi qui t'occupes du matin? Viens, regarde, y'a quoi? Oh, du riz! Du riz au moins, une bonne chose pour ce matin. Regardez, y'a du riz qui se cache mais au fond. En ça, je suis en train de me dire dans ma tête, on aurait pris ce petit déjeuner depuis qu'on était petit jusqu'à maintenant. Vous serez comme Cristiano Ronaldo. Je prends bien toutes les. Bah attends, mais là c'est dingue ce que t'as fait de la fourchette. T'as pas le droit d'utiliser la fourchette, on est au Japon, frère. Le midi, on va aller dans un restaurant fast-food à volonté, c'est mieux, moi. Allez, restaurant de l'après-midi. Ah, le gamin, regardez, il me laisse toute seule avec ce petit déjeuner. Moi, comment je vais finir tout ça? Eh, reviens! Ma note finale est de 0. Non, je rigole. Quand commencez pas à m'attraper. Hein. Vous mangez ça dès le matin, tu vois, c'est pas. J'ai plus les mots. Les gars, moi, Myriam, je vais plus l'avoir dans cette vidéo pour l'instant. Ils m'ont pris un petit déjeuner japonais, c'était dégueulasse. Là, je suis venu avec Issa. Konnichiwa. Issa, tu m'as ramené dans un restaurant à volonté. Asiatic food. Fast food asiatique. Ok, on va comme goûter dans ça. Le, il a demandé. Y a pas de tacos. Y a pas. Asiatic food. Oh là là, y a des plats de malade. T'en pourras te crever. Y a du curry au poulet. Maki au saumon. Oh merci, ça t'as un bon. Oh t'as un bon, mon gars, t'as un bon. On y va. Y a une souci. En raison d'une fuite d'eau. Bonne surprise, t'es fermé. Comment ça s'est fermé ça? Oh non. Mais c'est quoi ça? Pour toi? C'est pas moi. C'est toi. Moi c'est pas moi. Là, on peut pas y aller là. Ils ont dit Instagram et TikTok. TikTok. Non ouais, ils ont dit par contre abonnez-vous. Il y a quelqu'un. Et peut-être ils vont ouvrir. Peut-être. Il y a chinois là à côté. Non, là c'est japonais, là c'est chinois. Ah, c'est pas halal à côté. Les gars, Younes il est comme un ouf, regardez. Quand il s'agit de manger, lui c'est le roi. Ah, c'est fermé, Hiro. Fermé, Hiro. Ah, du coup, c'est bon, c'est moi qui va m'occuper du fast food. J'arrête de vous écouter. Non, Issa, c'est bon, c'est moi qui va vous emmener. Mais c'est bon. A few moments later. Là, Issa, ton plan il était foireux. Mon plan était parti dans un autre resto. Good Thai Family. Normalement, je mange bien. Vous voyez les fast food un peu. Je connais un peu, y'a quoi? Y'a pas de grec tacos. Ah, mais y'a pas. Ton les frites? Non, c'est des pâtes de riz comme ah, ça. C'est bien. Comme la pizza. Non, y'a pas de pizza, Issa, comprends quoi toi? Qu'est-ce qu'il fait lui? Prends pas toutes les sauces. Les sauces, y'a pas de mayo. Ah non, c'est sauce piquante ici. Je vais tester. Vas-y, teste tout. T'as pris les desserts. Si, il est en train de prendre toutes les sauces. Mais pourquoi il prend toutes les sauces? Il croit que c'est des sauces mayo et ketchup. Il est en train de faire. Oh cousin. Calme-moi. Non, y'a pas sauce ça. Monsieur, il prend toutes les sauces. Il a pris toutes les sauces. Tu nous fous la honte lui. Il nous fout la honte. Viens, on y va, viens, on y va. Allez, moi j'y vais. Il nous fout la honte. Il fout la honte lui. Je savais pas, pardon. Tu savais pas. Tu crois qu'on a tout pris pour nous? J'avais faim, je crois. Donc ça c'est les fast-food asiatiques. Ouais, nous, t'as vu tacos, pizza, nous, eux, quand ils vont au fast-food, ils graillent ça. Ils ont les nuggets, à ce qui paraît les nuggets c'est un banger et d'autres choses. Oh, Yacine, les nuggets comme moi elles sont si. Elles donnent vraiment envie. Donc là on va les goûter et on va voir si les asiatiques qui prennent t'es dégoûté. Les pauvres. Mais au moins goûte, viens on goûte au moins. On goûte au moins. Vas-y, on goûte. Vous avez pris la sauce venin ou pas? Ouais, on a pris la sauce venin, elle est là, ce qui paraît, elle pique la gorge. Attends, toi t'as un mec, quand tu manges, t'es bien le piquant ou pas? Moi c'est hard. T'aimes pas le piquant? J'aime pas souffrir. T'aimes bien toi souffrir? Non, le piquant c'est pas bon. Pas bon le piquant. C'est bon, moi j'aime. C'est bon, il a raison, c'est bon le piquant. Allez, go goûter déjà sans la sauce. C'est la nuggets.
Pour moi, hein, c'est un 10 sur 10. Pour moi, j'aime bien. Pas un menteur. T'es pas un menteur. Pas un menteur. Maintenant, on va faire son combo. Tiens, ça se pique. Ça pique. Là, je suis de la peau d'Arissa. Son plaisir, c'est ça. Les gars, on est, je pense qu'il va souffrir là. Je crois qu'il a fait une dingue. T'aimes bien cette sensation de piquant? Mais je crois que t'en as trop mis, je sais pas, moi j'ai jamais testé ça. En vrai, pique pas trop en vrai. Non, en vrai, ah ouais, elle pique pas trop en vrai. Toi, tu vas dire que ça pique pas parce que toi, si t'es habitué au piquant, elle pique pas, elle pique pas trop. Mais c'est sauce acide. Ouais, sauce acide bizarre, mais les mecs, les nuggets asiatiques bouffent tous les jours les nuggets qu'on mange d'habitude. Je suis d'accord avec toi. On dirait avec là, 1-0 pour eux. 1-0, 1-0, le ballon est au milieu. Ils ont des nems. C'est vrai. Quoi, Magic, t'as pas pris de nems? Or, à l'intérieur. Ah ouais, wow. C'est en mode les fleurs d'oranger. On va voir. Wow. 1-0 pour eux déjà. On a fait un 0. Est-ce que c'est plus beau que les feuilles de brie? Voilà. Est-ce que c'est plus beau que les feuilles de brie? Il a cru Zarma dans l'euphorie. J'allais peut-être dire une dinguerie. Jamais de la jamais vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ok, on mais déjà, c'est archi bon. Mais c'est archi bon. Les gars, les nuggets et les peines là, les 3 pour, je sais pas, 5 euros, je crois. C'est un peu cher, mais c'est super bon. Mais c'est un banger. Là, maintenant, le plat de résistance, mec. Mais toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris, je vous explique, c'est un bœuf low flak. En gros, c'est un plat où il y a du poulet, un œuf, et en bas, on a du riz rouge. Okay. Ouais, des cacahuètes. Ils t'ont mis quoi, genre, en dessous? Ok, lui, c'est des pâtes. C'est des pâtes. Pas de taille. Ouais, un bout d'œuf. Non, je crois qu'on va arrêter de faire du blair, cousin. Voilà! Elephant Blue, enfin! Alors, toi, tu fais la pâte. Les gars, je promets, je peux pas faire l'hypocrite. Ah, juste que c'est claqué au sol. Je promets, c'est super bon. Le riz, il est bon. Le poulet, on l'a goûté. Moi, je kiffe les tomates, les concombres. Moi, c'est validé, les mecs. C'est validé. Sur les pâtes, ils ont 5 étoiles sur Uber Eats. C'est pas pour rien. C'est bon, hein. T'as vu, je t'ai dit, c'est bon. C'est un truc, on ira pas vers ça. Voilà. Et si c'est un jour, on se dit, ah, ça, on va au fast-food, jamais on va aller là-bas. Là, moi, j'ai fait ça juste parce que tu m'as dit, c'est le thème. Sinon, c'est grave ce côté. La vérité. C'est vrai que c'est bon. Après, c'est pas le même type de nourriture qu'on a l'habitude. On aime bien la friture. C'est pas vrai, Yacine? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont découvert, les gars, je kiffe le riz. Ah. Ouais. C'est vrai. J'aime beaucoup les mecs. On va passer au dessert. Le dessert, je vais être C'est un plaqué. Dessert? C'est un dessert pour eux. Ok. Pour eux, c'est un dessert. Waouh! Waouh! C'est beau! Waouh! Ok, let's go. Bismillah. Good, good, good. C'est un peu bizarre. Pour un les frères, moi j'ai l'habitude de gâteau. Comme chocolat, des tartes, des glaces. C'est bon, t'as vu comme elle fait good, good, good. Je sais, c'est bon. Ils ont mélangé le riz et la mangue. Ah, c'est pas ouf. Pourquoi? Ouais, pourquoi avoir fait ça? Ah, comme ça, c'est parce que les fruits et légumes, ils sont hyper sensés. Voilà. Et les gars, pour le fast food, franchement, c'était bon, c'est validé. On se retrouve pour la suite de la journée, les mecs. Pendant que vous avez été au fast food sans moi, j'ai amélioré le setup. Moi, j'ai pas fait un truc inutile. C'est pas moi, c'est Younes qui a été sans toi. Ouais, bref, ferme les yeux, ferme les yeux. Ok. Vas-y, rentre. Vas-y, go. Rentre. Ah, vas-y, ouvre. Regarde là-bas. Wesh, les murs, ils sont blancs. Pourquoi c'est blanc? Mais c'est blanc, c'est blanc. Pourquoi c'est blanc? Regarde, blanc. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau ce que t'as fait, Myriam. Pourquoi t'as fait ça? Regardez, elle a mis de nouveaux panneaux. Wow. Et même là-bas, regarde ici. Ah ouais. C'est Masto de Call of Duty dans les zombies. Ça c'est double coup. Ça c'est quick revive. Comme ça, si tu meurs dans le truc des zombies, tu peux réapparaître. Ah Myriam, t'as fait une masterclass. Ouais, le setup il rend trop bien, les gars. Ah, c'était bon votre fast food? Un petit peu, pas trop. Pourquoi? Il y avait quoi? C'était diète, t'inquiète pas, c'était pas un vrai fast food, il y avait pas de frites, pas de sel. Ça, il a pas aimé, il a pas mangé. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est mangé là au restaurant à volonté? Non, c'était fermé. Myriam, la lumière code familiale. Ah, j'étais pas au courant. Je te mets 10 sur 10. Je suis trop pressé que le nouveau Call of Duty sorte. Je suis pressé que c'est l'hiver. Je vais m'enfermer dans cette chambre et je vais plus sortir de cette chambre. Regardez. Eat, sleep, game, repeat. Ça c'était déjà avant. Je vais être très honnête avec vous. C'est le repas du soir. On va dévaliser tout le rayon japonais chinois. Alors ça veut dire qu'on peut faire chauffer la carte. On peut faire chauffer la carte bleue. Manger, c'est mieux que l'argent. L'argent, on s'en fiche. Bah ouais, manger, c'est mieux. Hey, cool, mec là. Je rigole. Elle est comme une ouf, les gars. Hey, là, je peux vous dire qu'en termes de Japon, là, on est servi. On a vraiment tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu commences par les boissons. Ouais. Mais toi, t'es mal élevé. Je t'ai dit, on commence toujours par la graille. C'est la pêche, prends la pêche. Tu vois la pêche, tu as la pêche. La pêche, le melon ou... Je sais pas, mais dépêche-toi de choisir. Moi, je veux du salé, je m'en fiche des boissons, tu comprends pas, toi? Et si t'hésites longtemps, je pose la caméra, je prends tout ce qu'il me faut. Tu veux prendre ça alors que c'est tous les mêmes? Laisse-moi tranquille. Mais non, Myriam, mais non, elle connaît pas la vie. Regarde. Vas-y, toi. Regarde, il y en a 60. C'est pour toute la famille. Et alors, il y en a 70? Non, regarde, il y a ça, c'est 100% japonais. Non, ça, c'est le truc dans les animés, les gars, je vous fais pas confiance. Elle a tout ravagé le rayon. Regardez, okay. Elle a pris grave des boîtes. J'ai des thons avocats. Ok, avec... moi, je commence par ça. J'ai pris des sandwichs, j'ai pris des crevettes.
On va tester plein de nouvelles choses. Franchement, ça va être une dinguerie. Les gars, pour le repas du soir, on a trouvé ça. Mochi, attends, mais prends les meilleurs goûts, s'il te plaît. Regardez, il y a quoi? Non, mais attends. Non, pas ça. Il y a peanut, ça c'est au beurre de cacahuète. Mais je m'en fiche, non, prends pas ça. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est pas bon ici. Faut goûter ça, c'est une nouveauté. Mais c'est quoi le goût? Ah non, il y a des petites boules. Ah, ouais. Je t'ai dit, prends au beurre de cacahuète. Vous connaissez ça ou pas? Regarde, c'est des chips, c'est ça là-bas. Il y a tous les. J'ai une seule question à te poser. Est-ce que c'est japonais ou chinois? C'est japonais. Non. Les japonais et chinois, ils mangent de la banane aussi. N'importe quoi, c'est ça. Ça c'est le rayon africain. Là c'est le rayon mexicain. Là c'est le rayon japonais chinois. Ok, bah. Non, pas le piquant, c'est dégueulasse. Voilà, bravo. Intrigué, je viens de trouver des sortes de nouilles au fromage. On va prendre, ça peut être bon. Pour les mochis, on a aussi ceux-là, des mochis glacés. Je savais pas qu'il y avait des mochis glacés. Il y a ceux-là, les gars, en carton comme ça, mochis glacés. Ou alors en boîte, on fait quoi? Regarde là. Pâte de riz, voilà, enrobée. Pâte de riz. Ah, mais c'est pas au chocolat ça? Non. Prends à la vanille parce que c'est citron, c'est dégueulasse. Mais par contre, les japonais et les chinois, pourquoi ils mangent pas de chocolat? Ah, voilà le mochi là, regarde. Mais c'est quoi ces goûts bizarres là? Goût pipi. Je rigole. Vous savez qu'est-ce qu'ils mangent les Chinois? Un jour j'ai vu un Chinois manger ça. Ils mangent ça les Chinois, t'es sûr? Ouais, vraiment ils font ça. Et genre d'un coup ils avalent. Moi j'ai jamais vu de Chinois manger ça. Mais parce que tu regardes pas toi des vidéos de Chinois qui mangent des. Vas-y, bah prends un paquet alors. On a dévalisé le rayon japonais. On a dévalisé. C'est grave cher les japonais. Mais faut jouer au PSG pour manger japonais tous les jours. Vous allez voir les prix. Vous allez halluciner les mecs. Donc Myriam, on va commencer par le truc inédit qui me choque. Regardez, vous avez vu cette boîte au fromage? Je vais l'ouvrir, vous allez péter un câble. On dirait des pétards. Regardez, venez voir. Regardez, on dirait des pétards à l'intérieur. Donc j'ai lu la notice. Myriam, ça a l'air vraiment bizarre. Les japonais, c'est des malades mentales. Il faut mettre les pétards à l'intérieur. C'est trop bizarre, c'est des frites. Ah, on dirait des pâtes. Pensez le cheddar à l'intérieur du verre. Ah ouais, c'est comme du cheddar. On met de l'eau extra bouillante à l'intérieur. Bismillah. Oh ça, c'est trop bizarre. Et on laisse comme ça à la fin de la dégustation, on pourra tester. On va commencer par les sushis, la famille. Donc non, moi, j'ai choisi. Je... Ok, vas-y. Donc ça, ce petit truc, coûte 2,50€. Ça va, en vrai, ça va. Ah, c'est un onigiri, je crois. À l'intérieur, il y a une sauce coulante. Non, les japonais, eux, c'est la jet, tout le temps la jet. Les gars, les japonais, j'ai capté pourquoi ils sont pas gros. Là, vous croyez, pour des japonais, c'est comme s'ils mangeaient au tacos. Hein. Oh, c'est un cheat meal. Un cheat meal pour eux. Alors qu'il y a du thon, pour moi c'est pas un cheat meal. En fait ça va, c'est plutôt bon, mais genre il y a une saveur qu'on ressent pas tout le temps, genre c'est une saveur genre elle vient un moment après elle repart, vient elle repart. 10€ ça, 10€ les. Je vais vous dire la vérité les mecs, on en met un petit peu là. Ouais ça sert à ça. Ça sert à ça, on en met un peu. Stop, et celui qui me fait le plus envie les mecs, ça là, vous voyez comment ça se mange, on prend le sushi, on fait comme ça. Mais toi tu respectes personne, et après rien. On met tout dans la bouche. Attends, moi j'arrive, je cherche un truc pour respecter les gens. Myriam, t'as pris de la sauce sucrée. T'as fait une dinguerie, Myriam, t'as pris de la sauce sucrée. En vrai, ça passe, moi j'aime bien, il y en a plein, ils disent sushi, sauce salée, jamais sauce sucrée, mais je vous promets, ça fait un bon combo. 10,90€ aussi là, les gars, c'est abusé. Mais attends, mais elle est bonne la sauce sucrée ou pas? Oui, elle est bonne. Mais dites-vous, nous on prend un tacos c'est 10€ et on n'en parle plus. 10€. Oh non, vous abusez, les mecs. Oh le truc de ouf, les gars, Myriam, elle invente un nouveau combo. Waouh, toujours plus dans la côte familiale. Tu me dis vraiment ce que t'en penses. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est éclaté au sol? Déjà, les gars, j'ai fait une dinguerie qui trempait trop de sauce. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, c'est l'erreur à faire. On sent plus la sauce que les sushis. Mais sinon, c'est vraiment. J'ai trouvé un nouveau combo. Genre maintenant, faites les deux en collé. Genre, ça fait un truc de ouf. Non, faites pas. Il y a que les fous de la côte familiale pour faire ça. Oh, les gars, ce qui m'intrigue depuis tout à l'heure, je regarde. C'est ça là. 8€. Crevettes frites, les gars. Mais toujours, c'est des trucs jet là. C'est pas un truc jet. T'as vu le Japon? Non, le Japon, c'est jet avec une sauce. Est-ce qu'on se tente la sauce aussi? Ouais. Oui. Vas-y, mais il y a la queue, ça me dégoûte. Regardez, il y a la queue. Mais c'est pas grave, c'est. Tu sais qu'eux, ils aiment bien manger la queue. Pour eux, c'est le meilleur, la queue. Vas-y, trempe. Bismillah. J'aime pas. Non, j'aime pas. Ça, c'est trop fort en crevettes. Moi, j'aime pas. Toi, tu peux peut-être aimer, mais moi, il y a trop de crevettes à l'intérieur. J'ai l'impression de manger la mer. Ah, j'ai bu de la tasse de la mer là. Tu veux dire un petit peu de salé? J'ai bu la tasse. Attends, je regoute avec la sauce qu'on risque. Tu veux être sûr? Ouais. Bizarre, t'es pas ma soeur, toi t'aimes que les trucs bizarres. Regarde à l'intérieur, je vais vous montrer, c'est pas. Y'a trop de crevettes, les gars. C'est un piège. Tu crois que c'est bon. Après, à la fin, tu tombes sur la crevette, t'es dans le piège, t'es dans le puits. Ouais, je crois que oui. On va mélanger. Mais attends, mais avant, t'as fait une dinguerie. J'ai fait quoi? Pourquoi t'as pas ouvert les sushis? Les mochis. Ok, je laisse encore chauffer, Myriam, elle a dit. Les deux là, regarde, les deux mochis, on goûte lequel en vrai? On va passer au mochi. Ça, tu m'as dit que c'était incroyable, là, normal. Oh, les boss, je les kiffe. Pourquoi? Regardez, halal, mes frères japonais. Merci beaucoup. Konnichiwa. Arigato gozaimasu, faut dire. Ça veut dire merci beaucoup. Sérieux? Ouais. Et konnichiwa, ça veut dire quoi? Pas un gros mot. Je sais pas, moi. Waouh. Vous savez, ils sont bien rangés. On dirait les gâteaux du Haïd. Bien propre, on va en prendre un. Respecte les gâteaux du Haïd, s'il te plaît. Ça sent fort le beurre de cacahuète. Tu me dis pas, par contre, c'est bon ou pas. Oh, c'est une texture bien fondante. Ils ont mis le beurre de cacahuète à l'intérieur. Oh, c'est incroyable. Vas-y. Bismillah. Donc là, c'est censé être leur gâteau.
C'est bon, hein. Oh là, c'est bon. Mmh. Vous savez, c'est quoi? T'as vu les crêpes que le maman a font, que le maman montre, on n'a pas la même mère. Tu tartines de beurre de cacahuète. Les gars, c'est une crêpe. Oh là là, c'est trop bon. Est-ce que c'est calorique? J'aurais la haine. Un seul mochi, les amis, nous avons, attention, 22 grammes de sucre. Non, ça va, il y a 9 grammes de sucre dans un mochi. Ah, moi, j'ai envie de goûter ça aussi. Il y a les glacés aussi, ouais. Les glacés, est-ce que c'est plus bon? Donc, moi, pour ma part, mochi en gâteau là, beurre de cacahuète, les gars, 9,5 sur 10. Acheter. Wow. Oh là, c'est glacé, les gars. À tout moment, on peut perdre une dent, frère. Oh non, c'est moelleux. C'est moelleux. Vas-y, coupe-le en deux pour la cam. Ah, mais c'est du slime. Ah, à l'intérieur, il y a de la glace à la vanille. À tous les coups, c'est une masterclass. Je vais mettre un croup, mais là. Moi. Waouh, c'est trop bon. C'est la même chose que ça en glacé. Pour l'été, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais à tous les coups, tu manges tout le pot. Attends, dans un pot, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. Il y en a 6 en vrai pour une personne. 3 et 3. Non, 5 et 1. 5. Prends une pâte. Wesh, ils sont toujours pas devenus jaunes. C'est bizarre. Ça m'a l'air dégueulasse. Hein. C'est... Regarde-moi, attends-moi. Oh, là, c'est bon. C'est des pâtes de riz avec le bouillon, il a le goût du cheddar, Myriam. Regarde, t'auras le goût du cheddar, le bouillon, il a le goût du cheddar. C'est une bonne découverte. Ça, c'est bien, ma sœur. C'est une très, très bonne découverte. Non, attends, c'est pas trop la pâte de riz. Si, c'est du riz, en fait. C'est des pâtes au riz. C'est un arrière-goût. Le cheddar. Non, tout. Il y a tout qui a un arrière-goût. C'est pas validé pour toi? Pas trop. Bah moi je kiffe. Bonjour les gars. Façon japonaise, on va tester. Moi je pense en vrai les japonais ils doivent se régaler avec mais ça. Pourquoi elle est jaune l'eau? Je sais pas, elle est verte déjà, elle est pas jaune. Dis-goûte et dis-nous ce que t'en penses. Ça a pas l'air gazeux. Est-ce que c'est assez sucré ou pas sucré? En tout cas les japonais les gars franchement ils font de la bonne graille en vrai. Hein. Ça a pas le goût de la pêche mais ça a le goût de la pêche 4 fois sucré. Ça a pas le goût de la pêche mais ça a le goût de la pêche. Ouais. Là on a des sandwichs à 5 euros. Ah, 5 non, non, euros. Moi, j'ai testé mes Scooby-Doo en même temps. Mais t'es sûr que les japonais ils mangent ça? Bah oui, regarde, je vais te montrer comment ils les mangent. Toi tu vas je vais faire avec un petit bout. Ça marche pas? Ça marche pas, je suis désolé. Ah, c'est une elle est belle, hein. Elle est super mignonne. Salam alaikum. Elle vous emmène dans de la caresser. Allez, bismillah. Moi, je peux pas goûter ça. Hein. T'as l'impression de taper un sandwich diététique. C'est magnifique. Diététique, c'est quoi ça, diététique? Genre bon pour ta santé. Tu vas pas t'éclater la santé, c'est super bon. Les gars, ce que je retiens de cette journée, c'est qu'on s'est régalé et en plus, on n'a même pas grossi. Ouais. Vu que tout est diète, c'est que du thon, du riz et c'est carré dans l'axe. En tout cas, mettez un masque de like. Nous, on va vous laisser là parce que sinon, je vais étouffer.